Savoir que
coûte assez cher. Alors, voilà, ici, donc, tout ce qui est divers. Pour la classe de 4e, puisque je suis professeur d'histoire géo cette année avec les 4e et les 5e. Donc, PDV, c'est les initiales du collège où je suis. Ensuite, on a lycée, le lycée BTS. Ensuite, on a le CESAD. C'est les élèves que j'ai en dehors de l'institut. Voilà. Et ensuite, on a tout ce qui est paroles individuelles et paroles collectives. Et à la fin, il n'y a rien de noté. Paroles individuelles et paroles collectives, c'est un travail qu'on fait de perfectionnement de la parole. Voilà. Ou d'apprentissage de la parole pour certains élèves qui sont plus jeunes. En tout cas, voilà pour ce matériel. Ensuite, pour le bureau à la maison, je me suis acheté ce petit pot en caoutchouc, je sais pas quelle est cette matière. Ça se met dans la trousse, dans une petite trousse, donc c'est vraiment sympa. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je l'ai payé à, je crois, 7 euros, 8 euros, donc je trouve que c'est quand même assez rush. Cher, pardon, et bien entendu des post-it. Alors j'ai acheté 6 post-it, ou 5 post-it, enfin 5 blocs de post-it, donc c'est vraiment un bloc, pardon. Et c'est de la marque Post-it. Et j'étais choqué du prix parce qu'il faut savoir que moi je prends sans regarder les prix. Et j'en ai eu pour 9,95€ ou 9,99€. Enfin bref, pour ça. Genre 5 trucs comme ça. J'étais trop choqué. Et après j'étais genre chez Action. Et je vois le même truc. Bon, c'est pas la même marque. Et je vois ça à 89 centimes. Et il y en avait autant. J'ai payé ça 9,99€, un truc du genre. Genre, j'avais envie de pleurer. Bref, je vais pas me plaindre. Je me fais plaisir. Ensuite, des feuilles à plastifier. On l'utilise beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ça, j'achète cher Action. Et j'en ai pour 2 euros, je crois. Donc j'ai également une plastifieuse qui est dans une de mes armoires. Donc ça, c'est hyper utile parce que souvent dans notre métier, on crée des jeux, des cartes, des plateaux, etc. Donc on utilise énormément la plastifieuse. Donc il nous faut beaucoup de feuilles plastifiées. Voilà, comme vous savez, j'aurai une classe de 4e en histoire. Voici un exemple de manuel que j'ai. Donc c'est de Hatier. Voilà. Donc le programme de 4e, c'est pas un programme qui est top, 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 je trouve. On a en trois thèmes. On a le 18e siècle, expansion, lumière et révolution. Donc on va parler de l'Europe des Lumières, de la révolution.
Révolution française, la bourgeoisie marchande, etc. Et le thème 2, c'est sur l'Europe et le monde au 19e siècle avec la révolution industrielle et les conquêtes et sociétés coloniales. Et ensuite, le thème 3, c'est la société, culture et politique dans la France du 19e siècle avec une vie conquête votée de 1915 à 1870, la Troisième République, les conditions féminines dans une situation en mutation. En géographie, on a l'urbanisation du monde. En thème 2, on a les mobilités humaines transnationales. Thème 3, des espaces transformés par la mondialisation. Voilà. Faut savoir qu'il y avait deux, il y a 2 ans, j'avais aussi la quatrième. Voilà, donc, le sommaire. Salaire pour ceux qui reçoivent par mail comme moi et de les mettre